Au départ, c'est une idée de travailler avec Balaké. C'est dans un lieu qui est aujourd'hui le producteur, un des producteurs de ces projets, qui s'appelle Royaumont. Où voilà, moi j'étais là-bas pour faire un autre projet. Balaké est très connu dans ces lieux, et en parlant comme ça est venue l'idée de travailler avec la Cora et l'électronique en temps réel. Et donc le nom de Balaké, qui est un des gros maîtres de cet instrument, est sorti tout de suite. Rencontre, mais surtout c'était la première fois que là je vois les machines comme ça. Moi, de toutes les façons, là, je suis très curieux aussi de faire vraiment une vraie partage, mais que ça soit quelque chose aussi on peut développer ensemble. Donc l'idée, donc depuis là ils m'ont proposé, donc là j'ai essayé de regarder un peu ce que ça donne. Bon, comme là je suis très fort aussi dans l'improvisation, donc là ça m'a facilité aussi de faire vraiment la connexion. Donc c'est pour cela et toutes les résidences, donc ça donne. Et ça donne sa réalité. La modalité de travail, c'est l'improvisation. On se retrouve, on commence à improviser, on enregistre. Et même sans enregistrer, on a la mémoire de ce qu'on vient de faire. Et on s'est dit, ouais, ça c'est bien, ça il faut le développer d'une certaine façon, ça d'une autre, comme ça. Mais après, il y a tout un travail d'écriture qui n'a rien à voir avec l'écriture traditionnelle. Parce que les machines, on écrit de façon différente, on écrit des codes. Et pour Balaké, c'est pareil, il écrit pas de façon traditionnelle parce qu'il y a tout un code différent pour la Cora. Donc il y a un véritable travail d'écriture, mais qui n'a rien à voir avec l'écriture qu'on connaît sur papier, symbolique. On s'explique beaucoup. Lui, il m'a expliqué plein de choses sur son instrument et moi aussi. Et surtout, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense Balaké, mais c'est un grand travail d'écoute. C'est tout à travers les oreilles pendant qu'on joue, beaucoup plus qu'en se parlant.